fait. Qu'est-ce que je ressens? Des complètes doses, je ressens comme sensation. Actuellement, j'ai des effets extrêmement forts. Je me sens extrêmement fatiguée. J'ai pris dose complète, je me sens fatiguée. Je vais essayer cette journée-là. Si jamais ça ne me convient pas, j'arrête. J'essaie la dose complète. Je me sens fatiguée. Je l'ai pris, mais je me sens fatiguée. Et j'ai la voix qui a légèrement baissé encore. Donc, comparé au microdosage, clairement, c'est un peu too much. La dernière fois, j'avais essayé une fois, un jour. Et on m'a dit que du coup, genre, on m'a dit, on peut dire qu'en un jour, tu peux pas avoir les effets. Genre, on allait voir que, en fait, plutôt prendre mon maté, là, j'ai la voix qui a encore changé. En plus qu'avant, qui était à ma décision de prendre la thé en dose parce que actuellement je n'ai pas de changement corporel. Actuellement, je n'ai pas de changement corporel, je n'ai pas de changement physique, je n'ai pas de changement physique, je n'ai pas de changement physique actuel, je n'ai pas de changement physique actuel, je n'ai pas de changement physique qui est assez bien. Actuellement, je n'ai pas changement physique actuel, bon, bien. Je n'ai pas changement physique assez bien. Un changement plutôt. Un changement actuellement qui est un peu moyen. Mes analyses sont. J'ai pas encore fait d'analyse, j'ai fait près de 100 actuellement. Pour voir, et on a eu dit si besoin que je peux augmenter les doses. Sauf que si je prends la moitié du sachet, que je coupe la moitié du sachet, et que je mets le microdosage sur le micro-sachet, que je mets, parce que je coupe le sachet en deux, je sais aussi était entière, parce qu'avant j'ai dit entière, en goutte aussi, j'ai essayé. En petite goutte, c'est-à-dire que je mets par petite goutte, et après j'ai coupé en deux, j'ai essayé de la couper en deux, du coup j'ai essayé plusieurs méthodes pour prendre la thé. Et en entière, c'est quelque chose que j'ai pas essayé avec mon corps. En fait, de base, en 2 mois, tu dois avoir plus d'effets que ça en 2 mois de base. Et moi, en 2 mois, j'ai vraiment eu rien du tout qui avançait. En fait, c'est plutôt les 1 mois où j'ai eu tous les effets et les 2 mois, j'ai rien eu du tout. Même au niveau pilosité, j'ai rien eu. Genre, je n'ai pas eu beaucoup. Du coup, il y a eu ce côté où là aussi, un de mes médecins se posait la question de est-ce que j'augmente les doses ou pas? Parce que actuellement, au niveau d'une analyse sanguine, tout est normal. J'ai fait une analyse sanguine, donc tout est normal. J'ai fait une analyse sanguine, tout est normal. Genre, tout est tout à fait normal. Une analyse sanguine. Voilà. Donc, au niveau de l'analyse sanguine, tout est, genre, normal. Au niveau de l'analyse sanguine, tout est normal. Tout est normal au niveau de l'analyse sanguine. Tout est tout à fait, normal, en guillemets. C'est normal au niveau de l'analyse sanguine. C'est tout à fait normal. Mais du coup, j'ai essayé. Genre, j'essaye. Et si jamais, j'essaye aujourd'hui. Si ça ne va pas, je remets en petite dose. Si ça ne me va pas. Je vais essayer aujourd'hui la grande dose. Si jamais je me sens fatiguée, épuisée ou désagréablement bien, je vais essayer aujourd'hui. Je vais pas essayer 3 jours de plus parce que je ne sais pas les risques qu'il peut avoir. Je vais essayer aujourd'hui la dose en entière. Et si jamais ça ne va pas. Si je sens des effets qui sont négatifs, j'arrête et je prends les petites doses. Je reprends la petite dose. Je vais essayer. Voilà. Actuellement, les effets que j'ai, je me sens hyper fatiguée. J'ai la voix qui est encore plus baissée qu'avant. Des fois que j'ai pris une grande dose, c'était genre tellement rapide, j'ai tellement mal mis. Et là, j'ai vraiment bien mis correctement.
et le sachet est vide. Et là, actuellement, j'ai essayé le microdosage d'avant-hier sur le côté, et moi, j'ai pas doté en entier. Actuellement, là, mon microdosage, j'ai un tout petit peu trop. Je me sens fatiguée, je me sens épuisée. Le côté positif, c'est qu'actuellement, j'ai la voix qui est encore plus baissée qu'avant. Je perds ma voix carrément. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai la voix qui perd. Au niveau endocrinien, je vois pas plus de changement que ça. Après, j'ai l'impression d'avoir légèrement plus. J'ai hyper mal au ventre. J'ai hyper mal au ventre. Et actuellement, j'ai extrêmement mal partout. J'ai mal partout, en fait. C'est ça que je me couche parce que j'ai mal au ventre, j'ai mal partout. J'ai mal au ventre. J'ai mal partout. Après, moi j'ai eu beaucoup de non-binaires à prendre la dose entière parce que la petite dose c'est genre compliqué à digérer. En fait, la peur que j'ai, c'est avoir plus mes menstruations. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais t'inquiète pas, t'as toutes tes menstruations, malgré, parce que tu es quelqu'un qui est souvent ça. Et on m'a toujours dit, ouais, mais t'inquiète pas, tout ça, comme t'as un bébé, toi. Voilà. Vas-y, calme-toi, tu auras tes menstruations, même si tu auras les grandes doses. Tu as juste à arrêter et tu auras les menstruations. Et en fait, je m'inquiète beaucoup pour ça. En fait, c'est vraiment mon inquiétude premier des dosages en entier, c'est les menstruations. C'est vraiment mon inquiétude énorme. Les menstruations. Parce que l'idée d'être fertile me rend mal. Après, c'est mon inquiétude, vraiment, c'est mon inquiétude. Après, beaucoup de gens m'ont dit que j'allais pas avoir ça parce que j'ai des menstruations assez abondantes. Et aussi parce que avec ma corpulence et comment j'ai et comment je peux être, il n'y a pas de risque que j'ai pas de menstruation, de fertilité. Mais que si je prends des doses entières, je peux, mais il faut que je fasse des analyses. Il faut que j'arrête la télé. Du coup, je suis un peu. M'a dit du coup que pour 3 mois, les 2 mois et les 3 mois, c'est pas vraiment un problème si je suis sur les 3 mois, 2 mois. Mais après, plus tard, vu que je suis pas sous des grandes doses, je peux. Mon corps réagit plutôt. La première fois que j'ai essayé, mon corps a plutôt réagi de manière mal. Il a réagi d'une manière violente, c'est-à-dire que du coup, il a très mal réagi aux grandes doses, c'est-à-dire que mon corps a très très mal réagi à ça. Il a réagi très mal, il a pas bien réagi, j'ai eu des réactions hyperactives de mon corps. Mon corps a commencé à vraiment être mal, genre avoir des douleurs partout, à tirer partout, genre horrible. Donc, j'ai déjà essayé une première fois, mais c'était mal fait. C'était mal fait, j'ai mal mis, c'était rapide, c'était mal mis, et du coup, ça c'est. Je pense que c'est les effets qui n'étaient pas complets. Et là, j'ai vraiment fait toute attention, je me suis lavé les mains, j'étais propre. Voilà. J'ai peur. On va encore faire une vidéo à la fin de la journée pour voir ce qui s'est passé. Voilà, c'est pacifique.